Chers amis, 18h30 sonne au clocher. Ce soir, avec ce soleil magnifique que vous voyez peut-être au fond de l'écran, nous voulons nous associer à la terre entière. Le soir tombe, nous avons célébré aujourd'hui la fête de Saint-Joseph. L'époux de Marie, le père nourricier de Jésus et le saint protecteur de l'Église, saint protecteur également de toutes nos familles. Au moment où la cloche sonne la fête de la mi-carême, nous voulons être en communion avec tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur chair, dans leur âme, ceux et celles qui sont atteints de ce fléau terrible, le coronavirus, qui frappe notre monde, mais notre région, notre pays. Nous voulons aussi être en communion avec tous les soignants, ceux et celles qui, de près, donnent de leur savoir-être, de leur savoir-faire, de leurs compétences, au risque même d'être contaminés. Mais, à l'exemple encore de ce soleil couchant qui donne les dernières lueurs du soir et de la journée qui était si radieuse ici dans l'Est, nous voulons nous tourner vers le Seigneur, avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons réalisé, tout ce qui nous est donné de faire, mais aussi ce que notre gouvernement nous demande de respecter scrupuleusement. Chaque fois que nous sommes confinés, et pour un certain temps, c'est une vie qui est sauvée. On ne le mesure pas. Des slogans tournent sur le net et disent « Reste chez toi, alors une vie sera sauvée ». Aujourd'hui, nous voulons nous rendre compte que cette chose inédite qui frappe le monde est au-delà de tout ce que nous avons pu imaginer. Des anciens que nous avons pu rencontrer ont dit « Nous n'avons pas eu assez à manger étant petits. Nous avons connu toutes sortes de révolutions, idéologiques, étatiques ou autres. Nous avons connu la guerre, nous avions eu faim. Mais en même temps, nous avons eu des élans de générosité, de charité. Nous avons connu tous ces moments de fraternité, ces moments de liberté également, où un peuple s'est relevé, une nation a avancé vers un horizon nouveau. Nous, chrétiens, ce soir, nous voulons nous rallier derrière tous ceux et celles qui, disciples du Christ, ne veulent pas baisser leurs bras. Ce temps de carême est vraiment une épreuve, au sens premier du mot, épreuve dans notre chair par rapport à tous ceux de nos familles qui sont malades, éprouvés, mais aussi une épreuve spirituelle, alors que le carême doit être normalement un temps de joie qui nous prépare au temps de Pâques, qui nous prépare à la résurrection, car c'est parce que Jésus est mort et ressuscité que nous sommes en cheminement, en route. La résurrection du Christ, écoutez-la, elle est à l'exemple de cette nature, ces oiseaux qui chantent, ce pinson qui est là derrière dans le sapin. Mais cette résurrection du Christ, elle est là aussi quand toutes ces images qui nous parviennent nous montrent tant d'élan et tant d'efforts, de générosité, de fraternité qui sont déployés pour soutenir, intervenir, guérir, pour réparer, pour rassurer, pour prier, pour être là. Alors ce soir, à la veille de ce vendredi qui nous rappelle que le Christ est allé en croix, je voudrais vous faire part d'une grande méditation de la prière du cœur initiée par Saint Jean-Paul II, qui nous rappelle que, au-delà du trouble, au-delà du fait d'être désorienté, désemparé, au-delà de l'épreuve et de la calamité que nous vivons, le Seigneur est avec nous. Pour certains, c'est peut-être difficile à croire, à concevoir, à intégrer, mais la réalité est là. Le Seigneur est avec nous, tout comme aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 mars 2020. On ne peut pas l'enlever du calendrier, c'est ainsi. Tout comme aujourd'hui, il a fait beau ici.
Oui, le Christ est là au milieu de nous. Alors, empruntant les mots du Saint-Père, je me fais l'écho de tous ceux et celles qui veulent, à l'exemple de cette nature si belle, garder l'espérance, au-delà des larmes, au-delà de l'angoisse, au-delà de la peur. Vous vous souvenez sans doute qu'à la fin des années 70, quand le cardinal de Cracovie est devenu pape, ses premiers mots au monde étaient « N'ayez pas peur ». Alors c'est facile de le dire maintenant, derrière un écran, mais la réalité est là. Le Christ vient tous et toutes, qui que nous soyons, nous prendre par la main pour nous redire « Je suis avec toi, je suis avec vous, n'aie pas peur, n'ayez pas peur ». La prière est le chemin qui nous conduit à l'amour. Elle est comme la flèche tendue sur l'arc. Une de ces flèches est la prière du cœur. Cette prière consiste à répéter longuement le nom de Jésus, ou bien encore une phrase d'un psaume, ou encore une invocation, comme par exemple « Seigneur, ne t'éloigne pas de moi » ou encore « Seigneur, montre-moi ton visage » ou encore « Seigneur, viens vite à mon secours » ou encore « Seigneur, je te donne tout, sois avec moi » ou la plus répandue « Seigneur, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. » La prière du cœur a pour but de faire chair en nous le Verbe. La prière du cœur nous vient de Russie et des pères du désert. On peut dire que c'est la prière la plus simple. Lorsqu'elle se développe en plusieurs mots, on la divise selon l'inspire et l'expire. Ainsi, elle devient respiration de toute notre âme, sous la forme d'une profession de foi. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. C'est un autre chemin vers l'union à Dieu et l'acquisition de l'Esprit-Saint, quête inlassable de notre vie, sommet de notre baptême. Bien sûr, à moins d'être moine ou ermite, il peut paraître difficile de poursuivre continuellement cette prière. Mais elle peut être d'un précieux recours, particulièrement dans les périodes arides, celles que nous vivons en ce moment, lorsque tout semble vide. Alors oui, la prière du cœur est un réel secours. Quoique récitée de manière intime, la prière du cœur provoque une mystérieuse irradiation communautaire. La petite prière, disaient les pères du désert, est un grand trésor qui unit tous ceux qui prient face au visage du Christ. Voilà ce que Saint Jean-Paul II voulait nous partager, quand parfois il nous semble que le terrain se dérobe sous nos pieds. Or ce soir, nous ne sommes pas seuls. Nous nous mettons en communion avec toute l'Église, tous ceux qui ont déjà initié une chaîne de prière de par le monde, à travers les ondes de la radio, mais également à travers le net. Cela a été un crève-cœur le week-end dernier d'apposer sur les portes de nos églises ces affiches qui ont précisé qu'il n'y avait pas et plus d'office jusqu'à nouvel ordre. Mais encore une fois, en regardant par la fenêtre, et cette fenêtre ouverte n'est pas seulement une fenêtre ouverte sur une cour, vers un jardin, mais vers le monde qui crie « Seigneur, aide-nous », mais aussi vers le monde qui crie « Seigneur ». J'ai confiance en toi, tu es le Sauveur. Oui, le ressuscité que nous fêtons de manière tout à fait spéciale, vu les circonstances en cette année 2020, à Pâques, est celui qui vient nous redire « Je te prends par la main, je te porte sur mes épaules, qui que tu sois ». Alors, quand tout sera passé, osons, s'il vous plaît, largement inviter nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, nos amis, tous ceux que nous rencontrons, à venir dans la maison du Seigneur, non pas pour faire du chiffre, mais pour remplir cette maison de Dieu, pour qu'elle déborde, afin de pouvoir y célébrer l'Eucharistie, bien sûr, mais tous les autres offices, afin, très très nombreux, de pouvoir redire, « Seigneur, nous sommes là, nous sommes guéris, mais nous te présentons aussi
tous ceux qui sont encore malades et tous ceux qui sont partis te rejoindre. Parfois, dans ces moments si délicats, nous n'arrivons plus vraiment à prier, ni même à nous concentrer. Nous avons été jusque-là habitués à un calendrier, un emploi du temps, un rythme des horaires. Et certains perdent tout cela à cause d'un réaménagement quotidien, de son espace, de son cadre de vie, du climat à la maison, le télétravail. Et la prière peut également être impactée. Alors, comme une petite recette que je voudrais maintenant vous confier, je veux simplement vous dire, dans votre travail, dans le ménage que vous faites, peut-être par ces beaux jours, vous allez aussi dans votre jardin, tous ces petits gestes, tout ce que vous réalisez, offrez-le au Seigneur pour une personne malade, pour un soignant, où qu'il soit, dans notre pays, dans l'Europe ou dans le monde. J'aime beaucoup cette petite prière qui consiste à offrir au Seigneur ces petits actes qui sont parfois futiles. Vous allez préparer un repas, vous allez faire mille et une opérations techniques, éplucher les légumes, ouvrir tel contenant, telle boîte, préparer telle sauce, remuer telle autre préparation dans la casserole. Ou encore dans le jardin, vous allez prendre la pioche, le râteau, vous allez prendre la bineuse, vous allez prendre le sécateur. Tout ce que vous faites, simplement, offrez-le comme une action de grâce au Seigneur. Et le Seigneur prendra ce que vous faites, en l'offrant sous forme de bonheur à ceux et celles qui en ont besoin, enfants, jeunes, femmes, hommes ou seigneurs. Toute l'équipe pastorale, prêtres et laïcs engagés sont à nos côtés ce soir pour vous encourager et pour vous remercier. Et au nom du Seigneur, nous voulons vous bénir. Et nous voulons vous demander, si vous le désirez, ceci est une suggestion, de vous associer chaque midi à l'heure de l'Angélus. Peut-être si vous le pouvez, en regardant vers le crucifix, en fixant une icône ou encore le clocher de votre église, si vous habitez à proximité. Ou encore, peut-être, le chapelet, si vous pouvez l'avoir dans votre main. Ou encore, tout simplement, regarder une image de Marie ou de Jésus. Et vous associer ainsi à la prière du monde entier. En ayant tout simplement ces quelques mots. Jésus, me voici devant toi. Marie, toi qui as tout porté dans ton cœur, me voici maintenant, avec toi, au pied de la croix, mais aussi au pied et au chevet de ces nombreux malades, de ces lits d'hôpitaux, de ces chaises roulantes, de tous ceux et celles qui sont là et qui ouvrent leur cœur pour donner de l'amour, pour donner de leur temps, au-delà même encore d'un savoir-faire. Car tous ceux qui sont engagés, professionnels de santé, médecins, infirmières, aides-soignants, etc., sont aussi pour la plupart des papas, des mamans, même des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des tons, des tantes, des tontons. Ne l'oublions pas. Et unissons nos efforts à tous ceux et celles qui nous ont précédés. Pour eux, ce n'a pas été facile non plus, avec les persécutions, avec les critiques, avec les raz-de-marée. L'Église qui a toujours été ballottée à gauche, à droite, mais l'Église qui a toujours tenu et qui tient toujours. Alors, demandons au Seigneur d'éloigner ce fléau de nous. Demandons-lui également de nous porter, lui qui est le bon pasteur, de nous porter sur ses épaules. Demandons-lui également de nous tendre la main quand nous semblons nous enliser. Oui, demandons vraiment au Seigneur cette force et cette grâce. Que la paix vous soit offerte de la part de notre Seigneur, lui qui est le salut, lui qui est sorti du tombeau matin de Pâques. Ce temps d'épreuve est encore difficile. Combien de temps faut-il être confiné? Des semaines encore, probablement. Mais peut-être nous pouvons faire le parallèle avec ce temps également d'épreuve, ce temps où le Christ lui-même a été critiqué, rabroué,
mais ce temps aussi où il s'est relevé, ce temps où il a pardonné, ce temps où il était dans le tombeau pour arriver au matin de Pâques. Avec les dernières lueurs du soir, avec en arrière-plan cette bougie, cette icône de Jésus et de Marie, ici, la Vierge en prière, unissons notre voix à celle de tous ceux qui nous ont précédés, amis du ciel et tous les anges qui louent le Seigneur jour et nuit, pour redire « Seigneur, nous croyons, tu es avec nous, tu ne nous abandonnes pas. À toi, louange et gloire, éternellement. Que notre confiance soit totale et que la paix du Seigneur nous soit offerte. Bon courage à vous tous. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.